Dans une classe à plusieurs niveaux, les TIS permettent de gérer l'hétérogénéité des niveaux dans la classe en alternant pour chaque groupe d'élèves des activités en présence du maître et des activités en autonomie. Vous voulez savoir ce qu'on fait cet après-midi ? Oui. Alors, pendant le premier temps de l'après-midi, on va travailler en français. On va aller faire des recherches sur le centre qui nous accueille la semaine prochaine pour les plus grands. Nous, avec les élèves du CP, on va reprendre un petit peu Objectif Lire avec un nouveau reportage sur les dinosaures. Ça devrait vous plaire. Ouais. Et puis nous, on va travailler ensemble pour écrire un petit texte, la suite de l'histoire, vous savez, sur le fichier qu'après on tape à l'ordinateur. D'accord ? CE2, CM1 et CM2, je vous explique tout de suite ce qu'on fait. Allez, installez-vous les élèves du CP. Recherche sur le domaine de Laurière. Je vous pose quelques questions sur le domaine de la Laurière. Je vous ai dit qu'on allait tous partir avec un journal de bord. Cette année, c'est vous qui faites la première de couverture. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la première de couverture ? Voyage découverte, 2006-2007. Bon, ok. Un dessin. Un dessin, une illustration. Vous trouvez à côté de la recherche un dossier élève. Et là, vous mettez votre dossier personnel avec vos réponses, d'accord ? Lily, allez à toi. Les élèves du CP, vous êtes bien attentifs, hein ? Lily, lance le film. Regarde ce document sur les dinosaures. Il y a très très longtemps, bien avant que les premiers hommes n'apparaissent, la Terre était peuplée de reptiles bien étranges, les dinosaures. Celui-ci était plutôt petit. Il mesurait 1 mètre comme un gros chien. Et qu'est-ce que tu mets comme première lettre ? Un F majuscule. Un majuscule. Essaye d'imaginer un autre prénom, d'accord ? Demande à Lily ce qu'elle a fait là, si c'est le 1 ou le 2. Donc toi, tu vas faire quoi, Léa ? Le 2. Vas-y, c'est pareil, on peut se tromper, Léa, tu sais bien. Hein. Oui. Tu valides, tu tapes. Bravo, passons à la suite. Un verbe, comme ils sont plusieurs à se moquer. Qu'est-ce que tu vas rajouter à la fin du verbe ? Ah là, c'est toi qui me dis, qu'est-ce qu'on met alors dans le verbe ? D'accord, donc tu le rajouteras. Ici, si tu ne sais pas, je te propose d'utiliser le dictionnaire CPCE1. D'accord ? C'est très bien ce que tu as fait. Vraiment, hein ? Lis-moi les lettres dans l'ordre, David. A, B, C, D. Voilà, tu t'arrêtes là. Donald, c'est bien le D. D. Un mot. Il me manque les trucs sur les chambres. Je veux savoir comment elles sont liées et tout. Rabaisse ça, Léna. Enregistre. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre dans, dans cette page-là, qu'est-ce que tu peux faire ? Dans la page. Eh ouais. Allons-y. Ici, à droite. L'apatosaure, appelé aussi brontosaure, lézard du tonnerre. Vous allez faire des fiches d'identité des dinosaures que vous venez de voir dans le petit reportage. On n'aura plus le droit de regarder le dessin animé, donc il faut se souvenir ce qu'on a vu. Bien, vous êtes prêts ? Vous avez tous vos ciseaux, votre colle ? Non. Léna ? Vous regardez un petit peu les résultats qui ont été les résultats des recherches. Je te laisse présenter ce que tu as trouvé. Ouais, ça marche. La ville la plus proche, c'est Villefranche de Rouergue. Les classes de découverte possibles, il y a l'équitation, la danse. On peut aussi apprendre à reconnaître les arbres, les oiseaux, les insectes et les ruches. Alors, est-ce que ça vous convient à vous ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Où est-ce qu'elle devait être cette photo ? Ça, on n'y arrivait pas à le faire. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer comment on le fait ? Hop, je la déplace tout simplement. D'accord ? Si tu décides de remettre une photo du centre, tu vas sur le site. C'est-à-dire qu'on se met sur le banc. Oui, c'est ça. Je recopie. Je suis plus avec toi.
On a eu une grande récréation, hein. En mathématiques, pour les grands, les élèves du CM2. Un casse-tête sur le calcul d'air. On va prendre 5 minutes pour réfléchir sur papier avant de passer au tableau interactif. Les élèves du CE1, vous allez passer en mathématiques aussi sur un logiciel. David et Julien, vous allez utiliser Je sais compter. Tu l'installes dans la petite salle à côté. Les élèves du CE2 et du CM, sur cet ordinateur-là, Thomas et Laetitia. Ça vous rappelle quoi, ça? En fait, il y a un point vert et puis on doit aller trouver le trésor. D'accord. Et puis il y a des flèches pour nous montrer là où on doit aller. Ah ben, ça marche. Bah, regarde la question. Tu peux nous la lire, Lily, pendant que Sarah commence? Vas-y, Sarah. Où dois-je ranger mon petit ours? Ah, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal. Juste une remarque, Sarah. On se déplace pas sur les lignes, mais jusqu'au milieu des cases, d'accord? Mais c'est pas grave. Tu prends la page d'après pour vérifier. Tourne la page. On peut faire encore un tour? Non, parce que je vais prendre la place avec les gants. Il y en a d'autres de prévus, mais ça sera demain. Vous n'avez pas mis les flèches? Justement. Vous allez avoir une feuille. Par exemple, ça c'est la feuille de Sarah. Sarah, elle dessine des flèches ici. D'accord? Et ensuite, elle le donne à sa voisine. Et sa voisine, elle essaye de faire le parcours. D'accord? Et de dessiner le petit trésor. Vous reprenez votre place. Allez! Alors, comment tu réfléchis? Tu parles, vas-y, explique-nous à voix haute. J'ai refait les carrés. Après, j'ai compté. 1, 2, 3, 4. Ça marche. 5. 6. 7, 15. Ce qui nous gêne dans le calcul de cet R, c'est que ça tombe pas juste au niveau des carreaux. Est-ce qu'on n'a pas possibilité que ça tombe juste? Si. Comment? Benjamin. On le replace. Allons-y. Le truc, c'est dur. Sur le papier, c'est dur. Sur le tableau, c'est facile. Merci. N'utilise pas ton crayon. Là, t'as un crayon, Benjamin. Ah, pardon. Faut prendre le curseur. Ouais. Regardez sur quoi il clique. Voilà. Eh oui. Alors, combien il y a de carreaux là-dedans? 9. Comment tu fais? Ben, je les compte. Ah, il y a plus rapide que ça, Benjamin. 3 fois 3. Tu comptes les côtés. Il nous reste à peu près 5 minutes pour trouver toutes les aires données. C'est jouable? Si on s'applique. C'est quoi? Ah oh oui, ça c'est trop cool. Ouais. C'est un lapin? Oui, j'ai fait un lapin. On a fait un exercement. Lily, Lily. Il y en a 16 dans le petit. Deuxième, pour ma 7-0. Je vous dis juste d'aller à votre niveau. C'est mieux pour toi. Et où tu pas besoin avec ton casque. Ouais, c'est à mon niveau, les poils. Allez, on en reste là.